Bonjour à tous, c'est Erfioft et aujourd'hui on se retrouve sur Beach Brave Soul pour des invocations sur le nouveau portail, donc Enemies in the Dark, donc le nouveau portail de Bleach où j'aimerais avoir du coup le Yukio, le Tsukishima ou le Byakuya bien évidemment, tout simplement des trois. Du coup on a 732 orbes, on va faire donc deux multis et on finira sur des solos. Donc on n'a pas fait vraiment ça sur notre chaîne. Mais disons que c'est un jeu que je joue aussi beaucoup. Alors je suis un peu désolé, je suis enrhumé. C'est la raison pour laquelle j'ai le temps de faire cette vidéo. Et du coup voilà, on en profite à fond. Ah ouais, une 5 étoiles. Allez, j'espère que j'aurai du lourd. J'ai connu pour la première fois l'extase de celui qui frôle la mort. Qui frôle la mort. Oh putain, qu'est-ce qu'on commence trop bien. Oh. Oh, je bande. Ah, j'aime bien être malade des fois, MDR. Ok, Anataro. Le Byakuya qui nous a mis vachement bien. Je suis content parce que j'ai vu ce matin, j'ai regardé énormément de vidéos et j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de gens en fait qui se mettaient vraiment bien sur ce portail. Sachant que, comme vous avez pu voir, on est en fin de mois et il me semble, j'ai lu ça quelque part ou même dans les vidéos, les gens disaient que en fin de mois, nous avons souvent des portails avec double chance de 5 étoiles. Donc c'est là vraiment où il faut en profiter. Donc en gros, pendant un mois, vous farmez, puis à la fin, que vous avez un gros portail comme ça. Il faut lancer. Et du coup, bah, on a de la chance parce que le nombre de fois, parce que sur mon premier compte, par exemple, je faisais des invocations sur des portails et on n'avait pas double chance. Et tu te rends compte que le taux de drop, il est vraiment ridicule, quoi. Je sais pas c'est quoi les taux de drop exactement sur ce jeu, mais je crois qu'il est de genre 6-7%, je crois, grand max, même avec double chance. Donc voilà, c'est pas ouf. Mais là, on est content, on a le Byakuya et ça fait plaisir. Allez, du coup, la petite dernière. Enfin, la dernière. Dernière. Multi. Après vous pouvez me dire, je suis à 232, je pourrais peut-être en faire. Oh putain, allez vas-y, donne-moi du gros de lourd. Je suis le plume. Oh! Oh Stark! Oh je le voulais trop! Putain! Oh je suis refait de ma life! Oh là là! Je le voulais tellement lui, putain! Oh là 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 là! Oh je me mets trop bien! Alors il est pas de l'event, mais franchement je me mets bien. Oh là là, je suis content. Oh j'ai vu le numéro 1, j'ai fait non, ce n'est pas possible. Et oui, il est arrivé. Le voix d'avoir avant tout, je te reconnais bien là. Ukitake, ok. Du coup, je sais pas. Normalement, enfin, c'est possible de ravoir une 5 étoiles comme ça dans la multi. Mais j'ai pas vu ça souvent. Le moins trace me rend plus fort. Wow, Taki. Mais perso, on va finir sur des solos comme ça me mettra un peu plus de temps. Et ça sera plus cool. Et on a toujours une chance peut-être d'en choper une troisième. Et on se mettrait vraiment bien. Et en tout cas, je suis content. Je n'ai pas eu de double personnage. Mais là, le Stark, je vous avoue que je suis content. Plus le Byakuya, il est super stylé et tout. Le seul que je regrette vraiment, je trouve, dans le jeu, que j'ai pas pu avoir, je crois que c'était le portail où on a eu le Kenpachi. Et je n'ai pas réussi à l'avoir. Je suis vraiment trop triste. Mais voilà, le petit Stark, il met trop bien. Ah, ce bel Arrancaire. Je suis trop content. Alors, du coup, c'est parti. Ah, on va vendre. Je reviens. Re tout le monde. Donc du coup, on va finir sur les solos. On espère qu'on va avoir du lourd. Alors hop, on va prendre les grands cristaux d'expérience. Ça, c'est toujours bien de prix. Ça aide vachement. Alors bah du coup, vous pouvez voir l'équipe actuelle que j'ai. J'ai eu le Katen Kyokotsu. Le Byakuya, celui qui... Enfin, ce Byakuya est vachement pas mal. Je trouve qu'il rase bien les maps. Il clean bien, je trouve. Et le Aizen qu'on a eu dans les portails des événements. Qui est... pas trop mal, mais j'ai pas eu trop le temps de le fermer et je sais pas trop si je vais le fermer au final. Donc voilà, petite équipe et du coup bah on a grandi un peu l'équipe et je vous avoue que le Stark il va me mettre bien parce que du coup comme vous pouvez le voir j'ai déjà eu un Byakuya donc voilà. Allez, j'espère avoir un Yuki ou un Tsukishima si je pouvais en avoir un, ça serait vraiment ça. 4 étoiles je dirais. Ok, ça va pas être lourd. Yorimaru, et tu es mon Zanpakuto. Et voilà, Itsugaya, c'est reparti. On flippe un peu quand même, parce qu'on se dit, peut-être une chance de l'avoir quand même. Donc en gros, si je me trompe pas à 6% de chance, c'est quand même pas dégueu. Et j'espère quand même finir sur un dernier. Après, je trouve que franchement, dans les autres jeux, on a quand même, même avec double chance, on a quand même plus de chance. Après, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai quand même été grave chanceux sur des multis, j'en ai eu qu'un. Mais quand je prends par exemple Naruto où tu peux en avoir jusqu'à 3-4 des fois en une multi, t'es en mode waouh. Même si des. Oh! C'est du lourd! C'est du lourd! C'est du lourd!
Oh, franchement, j'ai beaucoup de chance. Bientôt, tout ceci ne sera jamais arrivé. Non. Attendez, je crois que c'est... Oh, si, oui, c'est lui, c'est Tokushima! Yes! Oh, putain! J'en étais sûr que c'était lui, là. J'ai lu le truc, j'ai fait... Non, c'est lui, ça! Oh, je me mets trop bien. Oh là là. Ah, Tsukishima, putain. Oh, ce portail m'a mis trop bien, les gars. Oh là là, je suis heureux, c'est bon. Ah, j'ai fini ma vie, là, c'est bon. Oh là, oh, j'ai envie de me poser, là. Oh, on a encore une, encore une! Oh non, j'ai eu peur. J'ai vu le truc, j'ai fait non! La mantras me rend plus forte. Jackie. Oh putain. Oh, il m'a rendu fou ce moment-là. Genre, j'étais en mode non, c'est pas possible. Et il est tombé, le Tsukishima, il est tombé. Et si on a. Oh putain. Non, mais c'est pas possible. Oh putain, deux fois. Le deux fois, je me tape Tsukishima, les mecs. Oh, oh, les gens, ils vont rager. Vous allez beaucoup à rager, les gars. Genre, j'ai beaucoup trop de chat là. Je vous dis, j'ai regardé des vidéos, ça m'a déboîté le nez, genre, je respire tout d'un coup, je sais pas pourquoi, ça m'a débouché de voir tant de super belles choses. Et ouais, genre, je regarde les vidéos ce matin, je vois des gens qui chopent pas mal des fois de 5 étoiles, de mon perso, mais qui ne sont pas en rapport avec le portail. Et moi, je me tape deux Tsukishima à la suite, pratiquement. Voilà, quoi, genre, quoi, de faire des petits haineux, quoi, genre, je suis en mode... Ah, c'est beaucoup trop de chance pour moi, là. Franchement, je suis... Je suis bouche bée, on va dire quand même. Bon bah là du coup on finit avec pas grand chose, mais je vais pas me plaindre. Clairement, je vais pas me plaindre. Je suis vachement content. Très bon portail. Du coup, je vais essayer de jouer un petit peu, essayer de refaire quelques invos dessus en solo. Mais ça y est, le Tsukishima est tombé. Si je refais quelques invos et que j'ai le Yukio en plus, allez, c'est tombé. J'ai le Byakuya, le Tsukishima, les gars. C'est n'importe quoi. Je me suis mis, mais vraiment trop bien. Regardez ça. Il a des bonnes stats d'endurance en plus. Putain, la vache. Regardez, le Byakuya et le Tsukishima. Oh là 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 là, je suis vraiment trop content. Bon, bah voilà, les gens. Cette vidéo se termine ici. C'était des infos sur le portail de l'Enemy in the Dark. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, j'étais grave, grave chanceux pour une fois là sur ce. Sur ce jeu, en général, j'ai pas trop de chat. Enfin, j'ai pas eu trop de chat récemment, donc on va dire que c'était remboursé actuellement. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!